Hey les gars, là je crois que c'est vraiment la plus grosse box qu'on m'a envoyée au monde. Ah, on me voit même plus. Ah, je suis tout impatient, je suis tout excité parce que je sais même pas ce qu'il y a dedans. Enfin si, je sais que ça a été envoyé par Abbeystyle, société qui fait plein de produits dérivés sur beaucoup de licences de manga. Naruto, One Piece, Saint Seiya, Bleach, Hunter x Hunter, Shingeki no Kyojin, enfin tout ce que tu peux imaginer au monde. Et ils m'ont envoyé cette énorme box et je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc écoutez, c'est parti! Elle a l'air énorme, j'espère que la vidéo va pas durer une heure. Putain, mais c'est blindé. Wouah. Je sens que vous allez avoir les yeux qui vont pétiller. Bon, c'est parti, je me spoil pas. On commence avec un pull. Un pull de Tokyo Ghoul. Ah, c'est même une veste. Une veste de beau gosse Tokyo Ghoul. Hop là. Bah, ça fait veste, tu sais, veste américaine, genre swag. Sauf que là, c'est du Tokyo Ghoul avec le masque de Ken derrière. Vas-y, je continue. Alors là, c'est tout ce qui est habit. Eh ben encore. Encore une veste universitaire. Cette fois-ci, c'est Naruto avec le signe de Konoha derrière. Et je te jure, la vie de ma mère, je vais aller au restaurant avec la veste ce soir. Et c'est là que tu vois les vrais. Qui va reconnaître? En même temps, il y a écrit Naruto Shippuden en gros juste au-dessus. Ouah, elle est classe, hein. Elle est classe, y a rien à dire, celle-là. Manche blanche, bleu marine, elle est stylée. Elle est stylée, donc avec le signe de Konoha derrière. Mouah. Ce que j'ai bien peur, c'est ce n'est que le début. Alors je suis désolé hein, pour ceux-là qui aimeraient avoir tout ce que j'ai eu. Mais j'ai réussi à vous dégoter un petit code de réduction valable sur tout le site. C'est cadeau. Hop. Une sacoche Dragon Ball Z. En cuir en plus. C'est stylé avec... Donc Shenron, et puis écrit Dragon Ball Z. Et je vais être habillé, hein. J'ai même pas besoin d'aller faire les soldes cet été. Petit compartiment devant, un à l'intérieur, même deux à l'intérieur. Elle est stylée, franchement, elle passe bien. J'ai déjà vu des mecs à la fac avec cette sacoche en plus. Seul souci, c'est que je vais plus à la fac. Oula, il y a l'air d'avoir encore des t-shirts là-dedans. Ouah, putain, c'est celui que je voulais. Un t-shirt Majin Vegeta. Bah gros, je suis connu à la salle de muscu pour le mec qui porte toujours des t-shirts Dragon Ball. Bah là, je crois que... Ouah, là, 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 regarde-moi ça. Majin Vegeta, mais quelle classe. Avec en plus, écrit quelque chose derrière. Alors, c'est soit Majin Vegeta ou Dragon Ball, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Il est totalement stylé, en bleu marine comme ça. Et attends, gros, c'est que... Là, j'ai presque rien enlevé du carton. Allez, on continue. Oh putain, le t-shirt de Capsule Corp. Et je suis un vrai gamin, un vrai gamin. Capsule Corp, mais je kiffe. Celui-là, en plus, qui est bien, t-shirt, c'est qu'il peut passer un petit peu... il passe partout, tu vois, seuls les vrais savent. Et puis, c'est pas comme, par exemple, bon, là, il y a Vegeta, tu vois que c'est un truc de manga. Là, les gens qui connaissent pas les mangas peuvent pas savoir que c'est un truc de manga. C'est pour ça que Capsule Corp, je le trouve totalement stylé. C'est dommage qu'ils aient pas fait de veste comme ça universitaire Capsule Corp, la même que celle de Trunks. Pff, ça, mais je peux te dire que j'aurais grave kiffé. On continue avec le t-shirt du rire jaune. Enfin, je sais qu'il l'a, celui-là, t-shirt. C'est le t-shirt de Kame Sennin, je pense. Ou alors de Goku. Bon, je sais pas lire ce qui est écrit dessus, mais il me semble que c'est suite Kame Sennin. Orange, jaune et noir. Je vais pas tous les déballer. Magnifique. Je crois que là, c'est bon pour tout ce qui est t-shirt. On va pouvoir entamer d'autres choses. Alors, yeah! Un mug. Mug de Sasuke. Putain, je galère à l'ouvrir. Oh, c'est bon, il a rien, je suis content. Alors, il est super stylé, avec à la fois Sasuke et de l'autre côté Naruto. J'en ai déjà en plus, hein, des mugs Abbeystyle. J'en ai un de One Piece que mon frère m'avait offert à... Vous vous en battez les couilles. Ça sert à rien que je parle pour rien. Allez, on continue. Ah, ça doit encore être un mug, certainement. Ah bah, celui-là de Goku. Du coup, je l'ai en double. Parce qu'il y a un sashimi à la Paris Manga qui me l'avait offert. En fait, c'est Goku. Putain, si j'arrive à le sortir, c'est tellement bien emballé. Donc, t'as Goku Super Saiyan et Goku normal. Celui-là, du coup, je le ferai gagner. Je sais pas quand, mais je le ferai gagner. D'ailleurs, un petit concours.
Dites-le à personne, c'est secret, comme ça je suis sûr que c'est un d'entre vous qui gagnera. Vous pouvez choisir sur le site d'Abistyle un t-shirt, un mug et 3 posters. Pour participer, t'as juste à tweeter le hashtag là sur Twitter avec un petit message et un seul par participant. Allez, on continue. Ça c'est encore un... Ah, un bol. Cette fois-ci, un bol de Trafalgar Law. Le petit bol, donc avec Trafalgar Law. Son signe de clan et... Enfin, de clan, de pirate. Et ça, je sais plus comment il s'appelle. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est Beppo. Voilà, maintenant, j'ai peur de dire des noms, parce qu'après, on va me dire dans les commentaires « Ah, tu sais pas les noms des persos !» Eh ben, j'ai de quoi boire avec tout ça, hein. Putain, j'ai encore plein de mugs, les gars. Un mug, ah bah voilà, de Saint Seiya. Oh, il est totalement stylé, c'est celui avec tous les chevaliers d'or. Je l'avais déjà vu plusieurs fois, Micromania, j'ai failli l'acheter. Bah j'ai pas fait, enfin j'ai bien fait de pas le faire. Il est magnifique. Alors je sais que Saint Seiya c'est pas très très populaire en France auprès des jeunes. Ah ouais, la série est assez vieille et les nouvelles séries qu'on a eues sont pas top. Mais croyez-moi les amis, Saint Seiya c'est du très très lourd. On continue avec encore un mug de Death Note. Toute ma famille va boire dans des mugs de manga. Fouah, il est stylé de ouf. Avec elle, putain si je me trompe pas, avec les reflets bleu-violet là, ses yeux et ses cheveux, superbe, superbe. Je suppose qu'il doit avoir la même en rouge avec Kira. Alors le dernier mug, c'est un mug de Bleach. Et quand je vais descendre avec ça, je te jure, ma mère, elle va péter un plomb. Kuchiki Byakuya et Kurosaki Ichigo en mode Bankai. Parfait. Bon bah du coup, qui veut trinquer? À la vôtre. Putain, j'ai plein de plastique autour de moi. Ah, des cartes postales. Alors, je sais pas si en 2016, il y a encore des gens qui envoient des cartes postales. Donc voilà, j'en ai eu plusieurs. Tac. Surtout de One Piece, en fait. Ah, là, j'ai eu un autocollant. Oh, il est stylé. Dragon Ball avec Goku. Donc, One Piece. One Piece. Brook, Chopper, des petites pubs, ouais donc tous les Wanted. Et j'ai aussi eu donc des stickers déco de Code Geass. Mais moi Code Geass, alors l'histoire autour de Code Geass, c'est que j'ai arrêté de regarder quand ils ont changé d'opening. Je sais, frappez-moi. Des fraises, Tagada. Bon ça n'a rien à voir mais c'est un petit cadeau, merci. Un porte-clés de Boubou, de Majin Buu. Très sympathique aussi. Alors ça, ça doit être un verre, ouais, je me suis pas trompé, c'est un verre de L dans Death Note. Donc là, franchement, je suis équipé hein, pour boire, pour prendre mon petit déj, j'ai tout ce qu'il faut, merci les gars. Et alors là, je pense que ça doit être les posters, je sais pas combien il y en a dedans. Alors, laissez-moi compter, 1, 2, 3... Et 4. Bon du coup je pourrais pas refaire toute ma chambre avec mais c'est déjà pas mal hein. Je vais pas me plaindre vu le colis que j'ai reçu. Après sinon ça va rager dans les commentaires. Oh le mec il a reçu un colis énorme et il se plaint. Découvrons lesquels il s'agit. Oh le premier magnifique. Poster de Naruto. Avec bah, tous les autres Kage. Raikage, Tsushikage, Kazekage et Hokage. Il est très chouette. Ensuite un de One Piece. L'arc Dressrosa, alors moi c'est un arc qui m'a pas tellement... là vous voyez peut-être pas très bien. L'arc Dressrosa il m'a pas tellement plu. C'est pas Dressrosa, c'est Punk Hazard, putain. Parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Moi je l'ai regardé en animé. Hein. Ceux qui l'ont lu en manga m'ont dit que bah, ça passait mieux en manga. Oh alors celui-là. Yes. Yes, yes, yes. Trunks et Goten avec Majin Buu. Et le dernier ça doit être du Dragon Ball aussi. Wouah! Alors, il y a un intrus. Il y a un intrus. Devinez lequel. Devinez qui est l'intrus là-dedans. Surtout le Goku là en mode torse nu, je le trouve totalement stylé. Et bah écoutez, ce fut un réel plaisir pour moi d'ouvrir cette box devant vous. S'il y a des produits qui vous intéressent, et bah je mets le lien du site dans la description et le code parrain pour que vous puissiez avoir une petite réduction. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like, suivez-moi sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tout tombe à là, je sais plus quoi faire, Diana.